Mon nom est Marc Bérenger, je suis de Québec, Beauport, et je vous présente ma nouvelle émission, Les trucs à Marco. Pour aujourd'hui, je vais vous YouTuber mon premier truc, c'est-à-dire le bénin pour paresseux, célibataires ou gens pressés. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer? C'est de prendre, bien sûr, un bénin. Ça prend un micro-ondes et pour commencer, il faut adapter notre bénin pour un micro-ondes régulier. Donc, ce que je suggère de faire, c'est de rapetisser le bédin qui peuvent bien aller dans le micro-ondes pour qu'il continue de tourner. Hein? Je continue. Et voilà, c'est prêt pour le micro-ondes. Maintenant, la question que vous posez tous, sûrement, combien de temps dans le micro-ondes? Pour vous aider, je vais vous dire, ça prend le popcorn homemade micro-ondes. Si votre micro-ondes s'est marqué des instructions entre 2 minutes et 2 minutes 30, si votre micro-ondes arrive à souffler un sac de popcorn comme ça dans son 2 minutes, vous avez un micro-ondes efficace et normal. Si vous avez un micro-ondes style Walmart, ça prend 2 minutes et quart, 2 minutes et 30, c'est votre problème. Ajustez-vous. Le son de popcorn. Moi, j'ai un micro-ondes qui est popcorn homemade correct. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il reste juste à préparer. Le temps. Un pop. Un bédain, 4 minutes. Deux bédains, 8 minutes. Simplement. J'en mets deux. Bienvenue de retour au Trek à Marco pour la finalisation de notre bédain. Donc, le temps a passé. Est-ce que vous voyez l'heure? C'est pas important, vous l'avez pas montré avant. Moi, je vous le dis, ça fait 8 minutes. L'instant, c'est prêt. Ce que ça prend, par contre, vous dites, c'est chaud. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça prend? La protection. Si vous n'êtes pas organisé, oubliez ça. Un bédain prêt. Deux bledings prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le bleding. Il y a peut-être quelques petites pleures de trop. On la tranche dans son extrémité. Et tout ce qu'il suffit à faire. Maintenant, vous pouvez enlever la mitaine. C'est simplement de sortir le bleding qui est prêt sans aucun filament. Vous ne croyez pas? Prise 2. Et voilà. Quelques petits coups suffit. Regardez. Aucun filament. C'est prêt. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de gagner 5$ au poker. Il ne reste juste qu'à tourner dans le beurre. Salé. Et attendre que ça refroidisse un peu et déguster. Donc, c'est mon premier épisode des trucs à Marco. Bientôt, la version espagnole des trucos à Marcos. Et pour la prochaine émission, je vous attends. Merci à tous. Ciao!